A pas beaucoup de jobs où j'aurai autant d'adrénaline que âgé aussi euh, continu et intense qu'ici. Mmh. <laughs> je peux faire avec un peu moins. Il peut y avoir un manque après, mais enfin, je... ouais, ouais, si tu prends. Allez, est en intraveineuse, en l'adrénaline. Ça rigole pas quand même. Alors on va se faire un shoot de Matignon aujourd'hui jusqu'à 13h30 dans l'actualité des idées. Matignon face caméra, une plongée au cœur du pouvoir sous Édouard Philippe avec nos deux invités. Laurent Sibien, réalisateur de cette série documentaire dont on vient d'entendre un extrait. Édouard, mon pote de droite, c'est le troisième volet intitulé « Aux manettes ». Il sera diffusé ce dimanche 4 juillet sur France 5 en première partie de soirée. Durant trois heures, ce film retrace les trois années d'Édouard Philippe à Matignon. Bonjour Laurent Sibien. Bonjour. Et en regardeuse, comme on dit, la journaliste Raphaël Baquet, grand reporter au monde, auteur de L'Enfer de Matignon, ce sont eux qui en parlent le mieux. Eux, c'étaient les anciens premiers ministres de la Ve République. Un livre paru chez Albin Michel en 2008, devenu film scénarisé par Vossoins, Raphaël Baquet, et réalisé par Philippe Colly. Bonjour, Raphaël Baquet. Bonjour. C'est une histoire de hasard, Laurent Sibien. Hein. Camarade de cagne puis euh, énarque, Édouard Philippe est à, à l'UMP, euh, l'ancêtre des Républicains quand vous le recroisez. Vous commencez à le filmer alors qu'il fait campagne pour la ville du Havre en 2010. Puis, vous le filmerez comme porte-parole d'Alain Juppé, euh, candidat malheureux à la primaire de la droite en 2016. Voilà pour les deux premiers volets de, ce, de cette série documentaire « Édouard, mon pote de droite ». Vous ne pouviez pas savoir, à ce moment-là, vous commencez à le filmer, qu'il entrerait un jour à Matignon sous Emmanuel Macron. Mais maintenant que ça a eu lieu, qu'il y est entré, qu'il est devenu Premier ministre, on se dit que vous aviez vos entrées. Et ça aurait été dommage de passer à côté, non Ah oui, effectivement, ça aurait été dommage de passer à côté. Euh... Juste, en fait, j'ai même commencé à le filmer, vous disiez 2010, c'était plutôt les, les, les municipales de 2014, mais j'ai commencé à le filmer en 2004 en réalité. Euh, à ce moment-là, il était euh, directeur général de l'UMP. Euh, et j'ai commencé à le filmer alors, avec une première question qui m'intriguait, c'était comment il était devenu de droite, puisqu'il ne l'était pas vraiment, il était plutôt de centre-gauche quand il avait 18 ans, euh, et puis de fil en aiguille, cette idée d'un de, de, projet un peu fou, de très longue durée consistant à, à filmer une carrière, à construire une carrière politique. Donc effectivement, en 2004, je, je, je reconnais que je ne pouvais pas envisager qu'il deviendrait Premier ministre d'Emmanuel Macron, mmh. ça c'est vrai. Alors mon pote de droite sous-entend que vous êtes son pote de gauche, peut-être hein. euh... Je ne sais pas si je suis son seul pote de gauche, ouais. mais en tout cas je suis de gauche, oui. et, et vous étiez de gauche avant de commencer cette série documentaire Après ce tournage, vous avez changé de bord Pas du tout. Pas du tout. Bon, ben bah voilà, au moins les, les camps euh, sont euh, tracés et le décor est posé. Vous Qu'est-ce que vous vouliez voir et donc montrer avec ce film en choisissant de le filmer Alors, sur la série, comme je disais, c'est vraiment euh, presque un... Sur Matignon. Alors, pardon, sur sur Matignon, ce troisième volet. Sur ce troisième volet qui est, qui est différent des deux précédents. Les deux précédents, on était vraiment dans une situation, j'aimerais dire, presque classique de film politique, c'est-à-dire la, la conquête du pouvoir, avec la dramaturgie d'une campagne, son résultat dont on... Qui est généralement assez binaire et, euh, et, euh, et la date qu'on qu connaît en général au début du film, là c'est tout à fait différent de, de s'être engagé dans ce, dans, ce, dans ce tournage à Matignon. Et, et autant la conquête du pouvoir avait été l'objet des deux premiers films, autant celui-là, ce qui m'intéressait, c'était l'exercice du pouvoir. C'est-à-dire quand on est aux manettes, qui était l'objectif euh, d'Edouard Philippe euh, assumé depuis longtemps, et j'ai retrouvé des, des entretiens que j'ai eu avec lui il y a une dizaine d'années où déjà il, il utilisait cette expression, être aux manettes, c'est ça qui m'intéresse, être en position exécutive. Bon, voilà, c'était bah, maintenant tu y es, explique-moi, montre-moi. Euh, Raconte-moi ce que c'est être aux manettes, exactement. C'était ça, c'était vraiment donc filmer cette chose très difficile, euh, beaucoup plus difficile, beaucoup moins spectaculaire euh, que, que la conquête, qui est l'exercice euh, des responsabilités. Voilà, l'exercice des responsabilités, vous l'avez euh, l'un et l'autre filmé de deux manières différentes, euh, Raconter l'exercice du pouvoir. Euh, Raphaël Baquet, et je précise que vous avez vu le film de Laurent Sibien, ce troisième volet, consacré donc euh, aux années euh, d'Edouard Philippe euh, à Matignon. Est-ce que l'exercice du pouvoir et cinégénique ou télégénique en l'espèce puisque c'est un film pour la télévision. Bah là, on retrouve dans, dans, dans le film de Laurent Sibien une, une espèce de permanence des décors d'abord. C'est ça qui frappe au fond. Le décor, les jardiniers, le parc de Matignon, tout ça est, est, est vraiment c'est un décor ultra classique qui n'a pas pris une ride, qui n'a pas changé, qui n'a pas bougé d'un cil, si je puis dire. Donc, depuis ça, 2008. C'est très frappant. Les années où vous étiez. Par ailleurs, il y a, y a des permanences aussi euh, de fond sur les réformes, cette fameuse réforme des retraites. Euh, je me souviens quand j'ai filmé les, les, les 11 premiers ministres de la 5e pour l'enfer de Matignon, cette réforme, elle commence sous Mitterrand et tous les premiers ministres doivent faire essayés. cette fameuse réforme ouais. des retraites avec des degrés, des formes différentes, mais on voit qu'il y, y a une espèce de, de récurrence. D'un souci, d'un souci français et d'une incapacité à résoudre le problème. Donc, ça, c'est intéressant. La troisième permanence que je retrouve dans votre film sur euh, Edouard Philippe, c'est l'hypermasculinité. Il n'y a que des hommes à l'écran. Et j'avais eu le même problème, hein, bien sûr, avec les onze premiers ministres prédécesseurs d'Édouard Philippe. C'est-à-dire qu'il y a des femmes dans le lieu de pouvoir, mais elles ne sont pas au devant de la scène. Et c'est vrai qu'on est frappé qu'en 2021, au fond, ça soit la même chose que euh, lorsque moi j'ai filmé, y compris, euh, je commençais avec Pierre Messmer, donc euh, vraiment euh, un vieux premier ministre de l'après-guerre, et eh ben ça n'a pas changé. Donc euh, là, y a, euh, on voit le poids d'une d'un classicisme, d'une technocratie aussi euh, qui, qui frappe. Hum. C'est un, un huis-clos en quelque sorte. Hein. On y est, on est dans Matignon. Vous le disiez, la différence avec la conquête du pouvoir, c'est le mouvement, la dynamique, c'est le fait qu'on change de lieu et qu'on tend vers un but. Hein. Ici, on est à Matignon, on est dedans, on est avec lui, d'où le dispositif que vous avez choisi, Laurent Sibien, hein, un face-à-face -face entre la caméra et lui. C'est un film sur Édouard Philippe. Euh, en quoi sa parole, qui de devient du coup essentiel dans ce dispositif, en quoi sa parole, peut-être diffère-t-elle Raphaël Baquet d'abord avec celle des premiers ministres que vous avez interrogés pour l'enfer de Matignon, dans le style de la parole. Alors moi je crois que vous le filmez pas au même moment que moi je les ai filmés. Je les ai filmés avec le recul. Ils étaient sortis du pouvoir. Donc la parole est beaucoup plus libre, je pense. Dans l'enfer de Matignon, il... Il parle beaucoup plus librement. Il y a une forme aussi de reconstruction, évidemment, euh, du passé. Donc, euh, donc, c'est assez différent. Euh, je pense que là, vous filmez euh, un homme et purement un homme, euh, lui, euh, à l'intérieur de Matignon. Donc, on voit à la fois les stigmates physiques. On voit sa nervosité grandissante aussi. Hein. Ça dit des choses sur sa psychologie et sur la pression de Matignon. Il euh, y a des, des, des acteurs qui sont absents, mais je pense que c'est tout à fait volontaire, bien sûr. Euh, le président n'existe pas dans votre, euh, dans votre documentaire et c'est intéressant, j'aimerais ai, savoir pourquoi. Moi, évidemment, dans, dans, euh, les premiers ministres parlaient énormément de leur rapport avec le président, de leur rapport avec la foule, de leur rapport avec l'opposition, de leur rapport avec le Parlement, de leur rapport avec les grévistes dans la rue. Euh, donc, il y, y avait une espèce de confrontation des hommes. Et d'une femme, puisque, avec le monde une extérieur, femme, mmh. avec le monde extérieur. Et Dieu sait que c'est important quand on, quand on est à Matignon, car on est sans arrêt obligé de composer, de négocier, et que la décision ne s'élabore jamais seule, à vrai dire. Euh, encore moins qu'à l'Élysée. À l'Elysée, euh, il y a une forme de solitude du pouvoir. À Matignon, au contraire, c'est une forme de confrontation constante avec l'extérieur. Laurent, si mmh. bien sur ce point, vous oui. direz peut-être qu'il n'est pas directement là, Emmanuel Macron, à part à travers quelques interventions, notamment médiatiques, ouais. mais il est tout le temps là. Oui, pour moi, il est, il est, il est très présent hors champ. C'était mmh. vraiment un choix. Euh, mmh. Alors, c'est un choix très 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 comme vous l'avez dit c'est un huis clos j'ai vraiment voulu travailler cette idée d'un huis clos dans, dans, dans son dans son bureau dans cette dans ce dispositif qui est, qui est, qui est montré qui est clair qui est clairement exposé aux spectateurs euh, de cette de cette conversation euh, entre nous et, euh, et donc évidemment le président n'est jamais à Matignon hein, constitutionnellement il ne peut pas y rentrer donc euh, il est présent à travers des portraits officiels il est présent en effet en hors champ à travers la télévision la radio euh, mais je n'ai jamais souhaité chercher à l'accompagner à l'Elysée parce que j'aurais été finalement dans, dans un autre palais c'était celui-là qui m'intéressait euh, vous disiez raphaël à juste titre que la grosse différence fondamentale pour moi les deux films sont extrêmement complémentaires euh, c'est que dans, dans l'enfer de matignon les onze premiers ministres euh, sont inter interrogés après. Donc ils sont effectivement en position de reconstruire ou de revisiter un parcours. Alors que là, le projet, dès le début, c'était au contraire de, 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 de se raconter pendant. C'est-à-dire donc y compris d'exposer de, de, des moments d'épuisement, de, de faiblesse, de, 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 de fatigue. De, voilà. Et ça, c'était y compris de se contredire à certains moments, euh, possiblement sur la durée. Voilà, avec vous, Raphaël Baquet, c'est le temps qui a donné la force à leurs paroles. Ils sont tous anciens premiers ministres, mais ils ne sont plus... En... En fonction, donc ils témoignent, comme on dit, avec le recul, avec l'envie aussi peut-être de, de raconter leur expérience. Alors que face à votre caméra, euh, Laurent Sibien, Édouard Philippe, parle à chaud. C'est l'amitié aussi qui vous lie, euh, qui euh, pousse à la confidence, qui donne un ton à ce film jusqu'au tutoiement de rigueur. On y va, on s'y rend avec vous. La rencontre entre un homme et la fonction, disiez-vous, Raphaël Baquet, le tout dans un monde imparfait. Dans un monde parfait, il y a plein de choses que j'aimerais faire. Mais un monde parfait, ça n'existe pas ici. Je te l'ai dit plusieurs fois. Ici, tu gères le monde imparfait. Tu ne gères pas le monde parfait. Le monde parfait, c'est le monde intellectuel, c'est le monde des experts, c'est le monde de ceux qui savent ce qu'il faudrait faire, mais qui s'y collent pas. Alors, eux, il est parfait ce monde-là. Ici, c'est le monde imparfait. C'est le monde avec ses incohérences, c'est le monde avec ses pesanteurs, c'est le monde avec les engagements qui ont été pris par d'autres et que tu dois tenir. C'est le monde imparfait. Mais ça veut pas dire qu'il est pas beau et ça veut pas dire qu est pas, que c'est pas chouette, hein. mais c'est le monde avec toutes ses imperfections. C'est le monde avec les injonctions contradictoires, c'est le monde avec... Euh, voilà. C'est la réalité, quoi. Et c'est très drôle parce que je te dis ça et tu dois avoir des heures d'enregistrement de, où je suis tranquillement assis à mon bureau et on n'est pas dérangé, pas le téléphone qui sonne, n'y a personne qui rentre, donc on se dit, au fond... Les gens qui vont voir le documentaire, ils disent... En fait, ce mec, il est dingue, il est derrière son bureau et puis... Parfois, il a un papier et puis... Et puis il passe son temps à répondre des questions. C'est des oasis, les moments que je passe avec toi. Euh, parce qu'en fait, sinon, c'est en permanence des coups de fil, des notes, des réunions, des déplacements, des contraintes, des mauvaises nouvelles, des, des polémiques, des machins, des trucs, je pars à l'Assemblée, je reviens. Je... En permanence. Euh, des contraintes qui s'appliquent dans tous les sens. Euh, la somme des contraintes te détermine, mais ta liberté, c'est justement comment est-ce que tu agences cette somme de contraintes pour faire quand même maximiser la. la les marges de manœuvre que tu as. Voilà. C'est ça. ça qui t'amuse, en fait. Oui, bien sûr. C'est ça qui t'amuse. Ah, Je ne sais pas si vous juste, mais... <coughs> c est, c est, enfin, non. C'est ça qui te... Ça, ça m'intéresse. Et ce qui, ce, qui, ce qui me plaît fondamentalement dans l'acte de gouverner, c'est le fait d'être euh, dans une situation où c'est toi qui t'y colles. Alors, c'est un film sur l'idée même du pouvoir. Mais ce qui est intéressant, et on l'entend dans cet extrait, c'est que... Plus encore que vous, c'est Édouard Philippe lui-même qui s'interroge sur la réalité du pouvoir, hein, sur ce que c'est qu'être au pouvoir et d'avoir ce pouvoir. En quoi ça consiste Est-ce qu'il a passé ces trois années à se poser la question sans, sans jamais réellement trouver de réponse Je ne sais pas s'il a passé ces trois années à se poser la question sans trouver de réponse. En tout cas, dans l'exercice que je lui proposais, c'était un moment de... Euh, un moment, il prononce le mot d'oasis, euh, voilà, un moment de... de, de, de Possiblement mise à distance mmh. euh, dans l'action. Euh, un autre moment du film, il dit :« J'ai plus le temps de réfléchir. Enfin, » Je trouve ça un, une formidable confession, euh, une forme d'honnêteté de, de dire ça à ce moment-là. Donc pris dans cette lessiveuse euh, euh, permanente. Euh, et et d'ailleurs, ça fait écho à ce que, ce que disait Raphaël à l'instant, c'est-à-dire qu'il le, il le dit en dehors de ces moments-là, c'est en permanence la confrontation avec l'extérieur. Euh, et, et, et ce moment-là. Euh, dans son bureau, dans ce dispositif qui revient à chaque fois, parce que je pensais que c'était en cette permanence de ce dispositif qu'on voyait les évolutions, le, comment le corps absorbe les, les épreuves, la fatigue, etc. Euh, bah C'est le moment, oui, un petit peu de, de la mise à distance le temps d'un entretien euh, avec quelqu'un qu'il connaît bien et avec qui on peut effectivement euh, se parler assez librement en, en se tutoyant. Euh. Voilà, après, est-ce qu'il a trouvé la réponse J'imagine que oui, il a écrit un bouquin de 400 ou 500 pages là-dessus, donc je suppose qu'il a trouvé quelques réponses. Et vous, est-ce que vous avez eu la réponse à vos questions Oula, il euh, y, y a tellement de... C'est un, un, un portrait... Euh, J'allais dire presque impressionniste que je propose. Donc il y a de multiples questions. Moi, je... Mais je, je reformule, parce que vous êtes un outsider dans cette situation. Incomplet. Et du coup, euh, vous avez été déçu par la réalité du pouvoir, ou quand même assez bluffé par la manière dont ça se, ça se joue, en dehors même des décisions politiques qu'il a prises, du fait que vous êtes de gauche et qu'il est de droite bah, Je dirais ni déçu ni bluffé. C'est-à-dire euh, déçu, ça aurait voulu dire que j'avais une espèce de, de mythologie. Euh... Qui me préexistait. Ce n'est pas le cas. Moi, je ne suis pas du tout journaliste politique à l'origine. Dans ce, dans ce projet, euh, même si je remonte avant, avant Matignon, euh, c'est vraiment de la pure curiosité, j'ai envie de dire presque humaine. C'est comme ça que j'aborde l'aborde, euh, Edouard Philippe. Euh, et, et la possibilité, ce qui est formidable pour un documentariste, c'est d'avoir accès à des, à, des, à des endroits du réel, à des morceaux du réel. Euh, et c'est intéressant dans l'extrait qu'on vient d'entendre où lui-même fait référence à la réalité. Donc, moi, ça fait écho évidemment à des questions que je me pose en tant que cinéaste. Mais. Euh, mais, euh, mais donc, donc du coup je n'avais pas vraiment de mythologie, j'avais juste de la curiosité comment ça marche Explique-moi, c'est pas explique-toi, je ne suis pas le représentant des Français face au Premier ministre, je suis quelqu'un qui le connaît, explique-moi comment ça marche. C'était ça ma question. Après, est-ce que j'ai est été bluffé bah, j'ai jamais non plus estimé que c'était normal d'aller à Matignon mmh. euh, j'étais je, je, un peu impressionné c'est quand même assez assez pesant hein, la, 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 la lourdeur de la de la de la des dorures de, 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 et, et, du, et du décorum et, et ce qui s'y passe c'est quand même une, une grosse machine de gens qui travaillent beaucoup qui globalement moi j'ai l'impression plutôt euh, comme guide l'intérêt général euh, et, euh, et ça j'imagine quelles que soient euh, les, les, les couleurs politiques euh, et, et et oui, il s'y passe quand même beaucoup de choses. Et moi, j'en observais un petit bout, euh, presque en voyant surtout des, des portes claquées, des gens qui passent. Ça, fait, ça travaille beaucoup. Et oui, c'est assez impressionnant quand même. Raphaël Baquet. Ce que je trouve intéressant, là, dans votre, dans la, votre façon de filmer Édouard Philippe, c'est que vous vous attachez à dire toujours que vous êtes de gauche. Vous, vous vous attachez à, au fond, jouer son opposition. Or, ce qui est frappant chez Edouard Philippe, c'est la désidéologisation. Euh, on n'a pas le sentiment. Voyez, quand moi quand j'ai filmé Premier ministre, on entendait Pierre Morois ou Édouard Balladur. C'était très clairement la gauche et la droite. La gauche euh, euh, généreuse, redistributrice de, de Pierre Morois, la, la droite libérale d'Édouard Balladur qui faisait les privatisations. Et c'était euh, très clairement affirmé chez eux. Quand on entend Édouard Philippe et quand on le voit face à vous, et ça m'intéresse beaucoup que vous ayez, je trouve ça très intéressant que vous ayez dit quel était euh, le camp d'une certaine façon d'où vous parliez, mais en vérité, on ne voit pas entre vous la droite et la gauche. En réalité, il n'y a pas d'idéologie. Vous voyez, c'est très l'époque, hein c'est l'époque macroniste. Et donc, je, je trouve ça très intéressant, ça m'a beaucoup frappé par rapport au Premier ministre. Que, que moi j'avais filmé, qui était plus marqué d'une certaine façon, hein, pas militant, parce que quand on est à Matignon, on perd vite son militantisme d'une certaine façon, on est confronté à la gestion quotidienne, mais euh, qui avait quand même euh, qui avait un engagement partisan plus fort. Et, et, et ce n'est pas du tout le cas d'Edouard Philippe, et je et pense qu'on le voit ça très dit, bien dans votre film. Et ça dit quelque chose peut-être de sa manière euh, particulière à lui euh, d'incarner mm -hmm. la fonction assez technocratique, mais aussi qui tend vers une forme de désacralisation du pouvoir que, que vous entretenez hein, de, par la relation même qui, qui vous lie euh, tous les deux. Et, et il parle souvent de de ses marges de manœuvre, presque de son job, ce qui laisse dans cette vision assez pratique, en fait, aussi de sa relation au pouvoir, assez peu de place hein, pour une vision politique. Oui, pour le sacré, comme, comme vous le dites, oui. effectivement. Euh, je, je, je trouve ça très intéressant, ce que, ce que vous venez de dire, Raphaël, euh, parce qu'effectivement, euh, à plusieurs reprises dans le film, moi, j'essaie de l'amener. Au fond, moi, je l'abordais. Les, les, les questions qui, moi, m'agitaient me, me, à ce moment-là, comme, comme citoyen, de toute mm -hmm. façon. Donc, on parle de violence policière, on parle de Notre-Dame-des-Landes, on parle de choses. Et puis, il y a plein d'autres choses dont on ne parle pas, évidemment. Et par exemple, sur, euh, je pense à cette discussion qu'on a sur Notre-Dame-des-Landes, où, où, où justement, je lui dis. bah euh, C'est bien qu'il y ait de l'idéologie à un moment. Et... Et il me dit, oui, si elle est assumée. Mais je... en boomerang, on pourrait lui reposer la question. Est elle, qu elle est assumée sur certains, certains sujets. Hein, fort, oui. Parce qu'il a connu, vous l'évoquiez Raphaël Baquet, quelques grandes tempêtes, hein, ce Premier ministre-là aussi. Les Gilets jaunes, la réforme des retraites, et puis le début de la, de la crise sanitaire. Dans l'extrait qu'on va entendre, il vous parle de la question de la dette, cette fameuse dette qui obsède oui, tous les premiers ministres aussi, comme les retraites. Aussi, oui, comme les retraites. La dette, c'est normal d'en avoir quand tu es une personne publique. C'est parfaitement légitime. Le problème, c'est comment est-ce qu'elle est financée. Le jour où elle sera financée de plus en plus cher, ou pas financée, eh ben, on aura un problème. Voilà. Et, mais je, je, je sais bien quand je dis ça, les Français ils disent... Oh. Alors, ben, ils ont vu les Grecs ben, Tu l'as vu Tu as vu ce qu'ils ont pris, les Grecs, en disant, mais pas, pas parce que quelqu'un leur a imposé même Tsipras, il y est venu, simplement parce qu'il n'arrivait plus à financer sa dette. Donc, il fallait qu'il la réduise. Et au lieu d'éviter qu'elle s'accroisse, il a dû la réduire brutalement. Ben, je peux te dire que, bon courage, c'est rude. Et selon toi, ça, c'est un truc qui pourrait arriver à la France Oui, bien sûr. sûr. Évidemment. Et les gens qui pensent que ça ne peut pas arriver sont juste des maboules. Si tu penses que ça ne peut pas arriver, tu es juste... C est... C est... Pour moi, les gens qui te disent, je vais te dire, les gens qui te disent... La dette, ça n'est pas un problème. C'est exactement le même type de déni que les gens qui te disent le climat, ça n'est pas un problème. C'est des dingues. Des dingues. Je ne peux pas le dire autrement. Bon alors là, il y a une frange des économistes en France qui vous dirait qu'il est très dogmatique hein, sur cette question de la dette. Et, et ce qui est même assez amusant, c'est de se dire qu'on est là avant la crise sanitaire. Et à l'aune de cette crise pandémique, la dette, elle est apparue évidemment complètement différemment. Et ben, pas si dingue finalement, ceux qui l'ont laissé filer cette dette. Hein, C'était le fameux « quoi qu'il en coûte » aussi d'Emmanuel Macron pendant le premier confinement. Et d'Edouard Philippe qui était aux manettes à ce moment-là. Et, et la dette, on l'a laissé filer, on l'a laissé se creuser. Pas si dingo Raphaël Baquet. Mais ce qu'on voit et je trouve ça très intéressant dans votre film, Laurent, c'est que on voit et ce qu'on voyait déjà avec euh, mes premiers ministres entre guillemets, si je puis dire, c'est que effectivement, il y, y, y a certainement euh, tout premier ministre voit arriver les chiffres, <laughs> donc les chiffres fournis par le ministère de l'économie, et pour tout premier ministre. Alors vous pouvez l'appeler soit un retour au réel comme dit Édouard Philippe, c'est-à-dire euh, vous ignorez vous êtes ma boule, soit euh, peut-être une idéologie portée par le ministère de l'économie. Quoi qu'il en soit, tous les premiers ministres sont rattrapés par ça. Même ceux qui commencent par Pierre, comme Pierre Moroy, par penser que la dette ce n'est pas important. Euh, mais mais c'est vrai que ça c'est très frappant et Édouard Philippe n'y échappe pas du tout. Euh, en fait très vite on intègre ces données. Euh, Économiques et financières, et qui sont peut-être tout à fait réelles. Et, et il n'y a que le président de la République qui peut desserrer cet étau, et c'est ce qu'a fait Macron pour des raisons peut-être politiques, peut-être électoralistes, peut-être de convictions profondes, peut-être de soucis de relancer le pays. Bien sûr, hein, il peut avoir mille. Mais il n'y a que lui, au fond, qui peut décider le quoi qu'il en coûte. Le Premier ministre, son rôle, c'est justement pas le quoi qu'il en coûte. Mmh. C'est justement, je tiens, les, je tiens les cordons de la bourse. Oui. Leur ainsi bien. Euh, deux choses. C'est important d'ailleurs, je pense, de, 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 de donner la conjoncture de, ce, de ce, cet entretien. C'est juste après les gilets jaunes. C'est en décembre 2019, et, euh, et euh, c'est après les décisions justement du président euh, de, de, de lâcher 10-12 milliards euh, suite, suite aux gilets jaunes. Donc, on a vraiment ça en référence et d'ailleurs c'est un moment c'est une interview qui est assez crépusculaire où il est très très fatigué ça se voit euh, donc on est bien avant évidemment la question sanitaire mais sur l'idée que c'est à Matignon que ça les rattrape je suis pas tout à fait d'accord parce que il se trouve comme je le filme depuis longtemps j'ai évidemment pas mal d'entretiens avec lui et notamment j'ai revu récemment euh, en rangeant un peu mes rushs euh, un entretien de bien avant qu'il soit premier ministre même je crois qu'il était pas encore réélu maire euh, où il parlait de ça déjà donc je veux dire c'est c'est quelque, de, 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 voilà, quelque chose de fondamental dans sa vision de la politique, euh, c'était cette question de, 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 du budget. Mais bien sûr, mais ce que la suite de l'histoire montre, avec notamment la crise sanitaire, c'est que euh, Matignon, c'est la réalité aussi euh, du pouvoir, et que quelles que soient les certitudes euh, avec, laquelle, avec lesquelles on y entre, euh, la, le, la réalité, et ça a été le cas avec la pandémie, vient bousculer ces certitudes-là. Et comme Premier ministre, comme grand intendant pendant le début de cette crise, sanitaire, Il a dû laisser filer la dette aussi, oui, tout à fait. Oui. Je, je sais pas dans le film, mais je me rappelle une discussion un peu là-dessus. Il dit peut-être 15 jours après le début de la, de la, de, de la crise sanitaire, il me dit il me reparler des résultats où il pensait avoir bien avancé sur un nombre de choses, notamment la réduction de l'endettement, juste avant le, le juste avant le, le, le la crise sanitaire. Et que bah oui, en 15 jours, tout avait disparu, quoi. Tout... Ce que dit Raphaël Baquet, vous avez ce sentiment-là aussi, Laurent si bien, c'est que le centre du pouvoir s'est déplacé, ou est-ce qu'il est toujours autant à Matignon Comment vous l'avez vécu euh... Encore une fois, moi, c'était un huis clos à Matin. Je ne suis pas vraiment en position de mesurer ça de cette distance-là, euh, de, de, de savoir où est le centre du pouvoir. Euh, moi, c'était mon espace d'observation. Est-ce euh, qu'il s'est déplacé Je ne sais pas. Honnêtement, je n'ai pas, pas l'expérience. Le, c'est un pour centre dire. du pouvoir, bien sûr. Le président évidemment. de la République a quand même la prééminence mmh. sous la Ve République, hein, c'est clair. Mais ça n'empêche pas que le Premier ministre n'est pas qu'un pion pas qu'un exécutant. Euh... Il est quoi Il coordonne. Il exécute. Ça dépend de sa relation avec le président, on mmh. va dire. S'il est en, co en cohabitation, euh, il a euh, une prééminence. Mmh. S'il est en total accord avec euh, le président de la République. Généralement, il se soumet au président de la République et quand il y a un conflit, c'est lui qui perd, forcément. Mais c'est aussi l'endroit où se coordonne toute la politique gouvernementale. C'est très impressionnant très de voir qu'il y avait, moi j'ai découvert là-bas, que d'une certaine façon, il y avait presque comme un double du gouvernement au niveau des conseillers de Matignon, puisque chaque secteur ministériel est suivi par des conseillers. Technique dans chacun des domaines. Ça, c'est assez impressionnant. Avec moi jusqu'à 13h30, le réalisateur de la série documentaire Edouard, mon pote de droite, Laurent Sibien, dont le troisième volet, intitulé manette sera diffusé ce dimanche sur France 5. Et la journaliste, grand reporter au monde, Raphaël Baquet, en 2008, elle signait un livre et un film consacrés à Matignon avec la voix des anciens premiers ministres de la 5e, L'enfer de Matignon. France Culture, il est 13h21. Transculture, La Grande Table, Olivia Jasbert. Et pourquoi Matignon peut se transformer en véritable enfer Édouard Philippe l'a-t-il vécu comme tel Il y a des certitudes, mais il y a des déceptions et des doutes quand même. On l'écoute extrait de votre série documentaire, Laurent Sibien. Je pense vraiment je ne prends aucune bonne décision. J'ai le choix entre des mauvaises. Et il y en a qui sont plus mauvaises que d'autres encore. Mais il n'y en a aucune qui est bonne. C'est aucune. Mais c'est effrayant. C'est vrai qu'en ce moment, j'ai un peu l'impression d'être. Tu sais, euh, je conduis un car, j'ai des mondes derrière. Il euh, euh, y a un frein sur deux qui ne fonctionne pas. Il y a du brouillard et du, et du verglas. Et on est dans une route de montagne. Et euh, tu as, euh, as, as, as cinq types dans le car qui disent Mais non, il fallait tourner à droite, mais non, il fallait tourner à gauche. Et puis tu as les autres qui disent Putain, j'espère qu'il ne va pas se planter. Quoi. Bon, ça ressemble un petit peu à ça, mon job, en ce moment. Vaut mieux pas s'énerver, vaut mieux rester calme. Et, euh, et puis essayer de regarder la route et de penser qu'à ça. Quoi. Mais ce qui est drôle, c'est que tu croises des gens. Et ça, c'est très réconfortant te disent, mais on voit bien que vous êtes en train d'essayer de conduire le, ce putain de car là. Qui, euh, on voit bien, donc continuez, faites le bien, y compris d'ailleurs des gens que je croise dans la rue que je connais pas et tout ça, et puis y compris parfois des gens qui ont tu vois une, un, un volume euh, et une, une aura qui quand ils te disent euh, vous faites bien, euh, vous avez le ton juste, euh, restez comme ça, euh, tu dis je bon, bah, je dois pas, être, ça va quoi. Il y a cette image du car avec euh, cette idée qu'on a derrière la tête, les, les fameux quarts Macron qui sont un peu mal en point euh, par ailleurs en ce moment. L'image du car est, est bien choisie dans cet extrait. Là, on entend un homme qui, qui doute. Est-ce qu'il veut casser son image, celui de quelqu'un qui serait trop sûr de lui euh, En tout cas, au-delà de ça, on sent que sur ses épaules, il y a cette pression permanente qu'évoquent tous les premiers ministres, les anciens, devant votre, votre caméra et dans votre livre, Raphaël Baquet. Vous l'avez vu euh, agir, vous, cette pression, Laurent Sibien, Raphaël Baquet, sur le corps du premier ministre, Édouard Philippe. Comment le pouvoir l'a changé au fil des mois Alors Sur le corps, oui, je trouve ça assez ça, net et... Dans le deuxième épisode, quand il était au primaire, un moment, il voyait Manuel Valls à la télévision en disant :« Ouh là là, il a l'air fatigué, ça prend cher un après ministre ». Donc effectivement, il en a fait l'expérience lui-même. Euh, là, l'extrait qu'on vient d'entendre, c'est au moment justement en, en pleine, en pleine pandémie. Et donc, euh, euh, donc c'est oui, c'est un moment de, de c'est pas, c'est pas pour. Pour changer son image, là, je crois que c'est vraiment euh... avec la question du, du confinement hein, qui, ouais, est, et, et, qui il, est aussi euh, en suspens. Il, ouais. il traverse ça, il traverse ouais. ça, comme on l'a tous traversé. Donc, euh, donc, ouais. je crois qu'il n'y a, a pas, de, il y a pas de, de volonté de construction d'image. Là, il y a juste à ce moment-là, il vous on, le dit On n'est pas là, on est en train ouais. de. de, de voilà. il, 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 a, il doit faire avec ce réel là, qui est un peu inédit, je pense, pour un pour un, pour un premier ministre. Ce qui est intéressant, on, on voit effectivement ça, son changement physique. Et puis on voit que, et c'est vraiment pas propre à Édouard Philippe, c'est le cas de tous les premiers ministres, mais là on le voit vraiment très bien dans votre film, c'est qu'il admet de moins en moins la critique au bout d'un moment. Il en a assez. Et vous êtes, vous, êtes, vous êtes son copain, donc vous parlez relativement librement. Mais au bout d'un moment, et, je, et je, on voit ça chez les premiers ministres, il vous parle un peu comme un petit garçon. C'est-à-dire. Ouais, bon écoute, toi tu sais pas ce que c'est que la réalité, moi j'ai la réalité. Et ça, cette espèce de montée des tensions, d'enfermement d'une certaine façon dont on peut comprendre tout à fait les raisons, mais elle, elle, elle raconte aussi euh, le pouvoir à Matignon, c'est-à-dire qu'on a tellement de décisions à prendre, tellement d'emmerdements, on n'a que des emmerdements et il l'exprime très bien, qu'au bout d'un moment, on n'est plus accessible à la critique, au conseil et même presque au regard extérieur. Et donc, ça, je trouve qu'on le voit très, très bien chez Édouard Philippe, avec dans une personnalité qui, par ailleurs, est d'une humeur relativement stable. Ce n'est pas un fou furieux, ni, ni quelqu'un de colérique. Et, et, et on voit bien sa tension face à vous qui monte. On, on, elle est quand même centrale, la question de l'image, hein, parce qu'il s'expose en acceptant que vous le filmiez aussi. À un moment, il vous dit Pourquoi je suis en train de répondre à tes questions Il euh, y a d'autres choses à faire. Tu me diras, sous-entendu, tu pourrais être en train de faire autre chose. Donc, il a pris le parti quand même d'être suivi, de se laisser filmer. Pourquoi, d'après vous Quel calcul en termes d'image et pas dans un sens péjoratif, mais avec ce film, qu'est-ce qu'il fait Il prépare la suite. Euh, dans la mesure où on a commencé il y a. Plus De 15 ans, 17 ans, euh, je trouve c'est un peu. Je pense qu'il a d'abord l'idée de continuer un projet un peu un peu, un peu, peu dingue et, et qui l'amuse. Hein. Je pense qu'il y avait une part d'amusement et aussi, je pense, une part de fidélité à, à cette démarche là. Au fond, pff, savoir ce qu'il prépare ou s'il prépare la suite, moi ça m'a un pourquoi peu il égal. a accepté alors. Parce que, Juste alors, par fidélité au projet Au, au, au tout début, parce que, parce, que, parce que finalement, personne ne le connaissait, qu'il trouvait intéressant et amusant de partager avec moi son expérience de, 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 de carrière politique. C'est vraiment faire une, comment se construire une carrière politique, c'est ça ma question. Mmh. Et puis bah, du coup, on continue. Puis je pense que, j'imagine, mais ça il faudrait lui poser la question, qu'à que, que chaque film, parce qu'à chaque, chaque, chaque épisode, bah, il y a un nouveau film, et que, et que le miroir que je lui tends... Euh, doit il doit il doit s'y reconnaître donc euh, donc ça ça l'intéresse visiblement d'avoir ce, ce miroir qu'on continue à lui tendre sur le, sur la suite de sa de son parcours. Je crois que vous oubliez un élément qui est, qui est vraiment très présent chez les responsables politiques, c'est aussi de rester dans l'histoire. Très souvent, quand on est Premier ministre, on, reste pour, on attache son nom à une réforme, puis on est oublié. Là, euh, répondre devant une caméra, c'est rester dans l'histoire. Voilà, tout ça, c'était il y a un an exactement. La suite, on la connaît. Le 3 juillet 2020, Edouard Philippe remet sa démission et celle de son gouvernement au président Emmanuel Macron, qui l'accepte. Jean Castex lui succède. On termine avec cet extrait, l'heure des premiers bilans. Disons que j'ai vécu trois ans très, très, très intenses et que trois ans très, très, très intenses, ça. Ça vous, ça vous, ça vous densifie, ça vous, peut-être un peu plus grave qu'avant, mais, mais encore. Mais oui, peut-être un peu plus grave qu'avant. Mais en même temps, j'ai énormément appris. Euh... Et je suis assez fier d'avoir essayé de faire du mieux que je pouvais, comme dit. C'est une phrase que j'aime bien. Une phrase que, que j'entendais quand j'étais petit. C'est euh... assez frappé du, au coin du bon sens, tu vois. Faut faire du mieux qu'on peut. Du mieux qu'on peut. Il ouais, fait du bloc spou. Il y a des gens qui vous diront que c'est pas assez. Ok, très bien. Moi, j'ai fait du bloc Et finalement, c'est pas si mal. Et voilà. Merci beaucoup à vous, Laurent Sibien. Est-ce qu'il est toujours votre pote de droite, Edouard Philippe je crois, oui. Oui, vous croyez. Le, le film... De droite, je pense. Mais... Oui, <laughs> pas <Pote> aussi. <laughs> aussi. Edouard, mon pote de droite, sa troisième volet intitulé Aux manettes sera diffusé ce dimanche 4 juillet sur France 5. Merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous. Merci Raphaël Baquet. Je rappelle le titre de votre livre, paru en 2008, L'enfer de Matignon. Ce sont eux qui en parlent le mieux. Un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table, à Jean Bulot avec Laura Dutech-Pérez qui ont préparé cette émission, à Aurienne Delacroix et Henri Leblanc pour la Grande Table. De table culture. Merci à Cathy Renault et à Valentine Alloin pour leur aide précieuse dans la préparation de toutes ces émissions à la réalisation aujourd'hui. C'était Thomas Beau avec Jean-Guilain Meige à la Technique. Très bel après-midi à tous sur France Culture.